Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois sur mon téléphone. Aujourd'hui, je vais te présenter six applications qui vont te permettre de gagner des crypto-monnaies gratuitement sur mobile. Ça veut dire que ça va être des applications donc, que tu peux télécharger gratuitement sur ton store, donc sur ce soit sur Play Store ou sur l'App Store. Et elles vont permettre de miner gratuitement sur ton téléphone. Tu vas pouvoir les fermer, donc ça va pas consommer de batterie, ça va pas consommer de data et ça va permettre de miner. Donc ces applications, attention, je te dis pas que tu vas être riche tout de suite. Il y en a qu'une qui est déjà valorisée, mais les autres, elles ont déjà des projets qui sont solides. Donc moi aujourd'hui, je me suis dit bah écoute, ça coûte rien, enfin voilà, je le fais. Et si jamais demain il y en a une qui décolle, et eh ben j'en aurai déjà plein les poches. Je vais t'expliquer au fur et à mesure. Les projets ou alors ce qu'on peut faire. Et c'est voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, sachant que il n'y a quand même pas beaucoup de contrepartie à faire pour pouvoir miner. Donc moi j'ai foncé quand on m'expliquait le projet. Donc là, la première, on est sur Timestop. Donc en fait voilà, il suffit de la télécharger, sachant que voilà, je vais te mettre tous les liens en description. Donc là, il suffit de la télécharger. On s'inscrit à chaque fois avec un numéro de téléphone. Et donc là, j'arrive sur mon Time Wallet. Timestop, ça fonctionne avec un clic par jour. Toutes les 24 heures, j'ai un clic à faire. Sachant que, voilà, ici, on nous explique en rouge que si jamais au bout de 24 heures, mon compte, il arrive à zéro, eh ben, mon wallet, il va être désactivé. Donc Timestop, c'est vraiment, faut pas que le temps s'arrête, quoi. Donc du coup, tous les jours, je dois ouvrir l'appli. Ici, au milieu du calendrier, il y a vraiment un petit logo qu'il faut appuyer, Timestop. Je l'appuie et c'est tout. Je peux fermer l'application. Ici, on voit, il y a vraiment le jeudi 15 avril. Je l'ai oublié, je n'ai pas appuyé. Ça veut dire que j'ai perdu un point. Normalement, mon score en haut à gauche, il est à 129. Il était à 130, pardon. Donc là, du coup, je suis passé à 129. Si jamais ce score-là, il arrive à 0, mon wallet, il est bloqué. Donc Timestop, très facile. Ça déroule et du coup voilà, faut pas arriver à zéro. Moi maintenant je suis à 838 time, enfin du coup time stop, time coin. Pour l'instant ils valent rien du tout. Peut-être que demain ils vaudront quelque chose, ça je sais, j'en sais rien. Maintenant moi je préfère pour un clic et gratuitement, je préfère en avoir. Dans time stop on peut parrainer, donc on a un code qui est, si je dis pas de bêtises, faut que je le retrouve, qui est là, pardon. Hop, invite list, je le clique. Et d'ailleurs, on me dit, voilà, quoi, si je le veux partager sur Telegram, sur Facebook, message, ou alors si je veux juste copier mon lien, je le donne. Si les personnes s'inscrivent, et bah, du coup, je vais gagner en plus des timecoins. Donc ça, c'est la première appli. Assez intéressante, basique et facile. La deuxième, c'est vraiment ma préférée, c'est le Pi. Le Pi, c'est en plein développement, c'est un projet qui est super sérieux. Il y a plus, à l'heure où je parle, il y a plus de 15 millions d'utilisateurs. Donc là, ils sont dans la phase bêta, on va dire. C'est la phase de développement, c'est la phase 2. Dernièrement, ils ont lancé le wallet. Donc c'est vraiment le portefeuille, le wallet test. On a pu faire des échanges sur le wallet test. C'est un projet qui est super sérieux parce que ça va être vraiment une monnaie, ça va être une monnaie à grande échelle mondiale. Aujourd'hui, si on prend le Bitcoin en référence, le Bitcoin est vraiment trop lent pour servir de monnaie, alors que le Pi va aller peut-être 1000 fois plus vite que le Bitcoin. Donc c'est un projet qui est très sérieux pour pouvoir concurrencer le Bitcoin ou en tout cas servir de monnaie dans le futur. Donc moi là-dessus, je suis très sérieux. Tous les jours, je lance mon petit minage gratuit, pareil. On l'installe avec Pi Network. C'est sur le store, on le trouve l'application. Par contre, il faut un code parrain donc, pour pouvoir rentrer. Derrière, on peut miner toutes les 24 heures. Un petit clic, on mine. Ici, donc on a notre équipe de minage. Pareil, si jamais on invite des personnes, en fait, ça nous fait miner plus vite. Derrière, eh ben d'ailleurs, c'est parti. Ici, donc, on voit qu'on a les pionniers. Donc, c'est le minage en cours. Donc, là, il me reste 1h55 avant de devoir le relancer. Et je vois que je mine de base à 0,10 pi par heure. Contributeur, c'est-à-dire que j'ai plus de 3 jours de participation. Et donc, après, j'ai pu faire un cercle de sécurité.
Donc là, j'ai donc plus 10 pips par heure, 0 dpi pardon, par heure, avec au moins 5 connexions sécurisées. Les connexions sécurisées, c'est-à-dire que j'ai mon cercle de sécurité, dedans je mets des personnes, et j'ai au moins 5 connexions. Donc 5 fois 0,2, ça me fait 0 dpi. Et après, ambassadeur, donc dedans, j'ai rentré des personnes, donc j'ai fait découvrir l'application à des personnes, du coup il me récompense, c'est-à-dire que je fais miner plus vite. Donc j'ai 10 actifs, 15 inactifs. Quand les personnes se connectent et minent, ça me fait augmenter ce minage. Donc là je suis à plus 0,49, donc là en ce moment je suis à 0,69 pi par heure. Ça m'est déjà arrivé, donc là j'en ai 25, ça m'est déjà arrivé d'être monté à 18 ou 19 personnes en ligne, j'étais à près de 1 pi par heure. Donc là, ça monte très vite. En ce moment, je suis à 335 pi. J'espère monter très vite. Si jamais ce projet devient sérieux et que le pi est valorisé, ce sera toujours ça de prix, sachant que voilà, c'est une application gratuite. Je fais un clic par jour. Donc voilà, toujours très intéressant à prendre. Une autre application, voilà, Midwine. Ici, en fait, donc c'est pareil, mineur automatique. Donc en fait, il suffit soit on clique au milieu, on fait des tapes et donc du coup ça mine, ou alors en cliquant là à gauche sur le petit mineur auto mineur, et ben ça va permettre de miner automatiquement. Souvent, moi maintenant ça met une petite pub, ça permet de miner. Et à droite, et du coup il y a un multiplicateur. Multiplicateur, il arrive avec c'est où qu'on a, voilà, avec les personnes donc qui ont rejoint via notre lien de parrainage. Plus on en a, plus notre mineur va être efficace et plus on va miner rapidement. Sachant que donc là j'ai 0,09 minoin. Si je vais dans la boutique, en fait ici la monnaie va nous servir à échanger donc des services, des objets. Et de participer donc à un marché. Si je vais dans jardin et maison par exemple, ou alors si je vais dans électronique, voilà, ici donc je peux en acheter, voilà, un pour 2 €. Ou alors si je trouve quelque chose de plus, je sais pas, voilà, une mystery box pour 150 M. Donc en fait ici dans le marché on peut trouver des choses, donc ça mine tout seul. Et après, on peut trouver des choses plus ou moins intéressantes à voir en fonction. Pour l'instant, c'est le début, donc à voir si jamais il y a quelque chose qui se développe vraiment. Donc là, pareil, en fait, si vous voulez, là, je me laisse un peu porter par le développement. En fait, je laisse miner tous les jours. Et après, je vais voir un peu comment évolue tout ça. Ici, on a Eagle Mining Network. Donc là, c'est des petits aigles, en fait, qu'on vient miner. Ici, celle-là, je l'ai un peu moins développée, puis je l'ai un peu moins travaillée. Mais voilà, pareil, on a notre équipe. Hop, history. Donc là, ça me dit quand j'ai miné, combien j'en ai récolté. Et voilà, donc ça c'est home. Ok. Et donc là, pareil, là j'en ai 258. Pareil, plus on a de personnes, plus je vais miner rapidement. Celle-là n'est pas valorisée non plus. Ici, il y a une petite vidéo explicative en dessous. Donc voilà, pareil, vidéo dans la description, on peut miner toutes les 24 heures. Le bi, c'est comme pi, même fonctionnement. Projet sérieux en développement. Ici, donc ici, je peux miner à 1 bi par heure. Donc c'est quand même assez sérieux, c'est quand même assez costaud. Sachant que voilà, donc le bi comme le pi, sauf que du coup, on mine plus rapidement. Ici, vous voyez, j'ai que 9 personnes, alors que j'en ai 25 et du coup, je mine quand même deux fois plus vite. On voit, alors c'est vrai que je n'ai pas montré sur le pi, mais on voit sur tous, ils ont ce schéma-là où, en fait, par rapport au nombre d'utilisateurs, il y a la vitesse de minage qui diminue. Donc là, actuellement, on est à 0,2 bi par heure de base. Après, bien sûr, en fonction des personnes invitées, bah, ça va augmenter. Mais donc là, je suis à 0,2 bi. Et à partir de 100 millions d'utilisateurs, on va passer à 0,1. Et quand il y aura 1 milliard, on va passer à 0. C'est-à-dire qu'à 1 milliard, on ne pourra plus miner. Ça, que ce soit dans le pi, c'est pareil. Dans le bi, c'est pareil. Et donc. Après, les personnes qu'on auront, on passera à la phase de valorisation, et donc derrière, les personnes qu'on auront, bah, vont sûrement gagner de l'argent par rapport aux échanges, par rapport à la valorisation que va prendre la crypto. Le pi, ça va être à la fin de l'année 2021, normalement. On passe en phase 3, en phase de valorisation. Ça veut dire que il sera plus possible en fait de miner du pi. Si je reviens. Hop, mince, c'est pas ça. Si je reviens sur pi, là on est en phase 2.
Là, on est dans la phase 2 de développement. Voyez, là, je suis passé à 10 à quelqu'un qui s'est connecté. Là, je suis en phase 2 du développement. Donc là, on peut miner gratuitement. À la fin de l'année, normalement, c'est prévu que là, on teste le wallet. À la fin de l'année 2021, on doit passer en phase 3, pardon. Et phase 3, c'est fin du minage et donc valorisation des PI qui ont été distribués. Donc là, du coup, ça pourrait être intéressant pour les personnes qui ont commencé à miner. Pour quelque chose qui est gratuit, pour quelque chose qui prend un clic par jour. La dernière, ça va être PHT, donc c'est le Phenom, et celle-là elle est assez intéressante puisque celle-là elle est déjà valorisée. Déjà valorisée, ici je fais un clic et c'est par semaine. Donc là tout en bas à droite on voit qu'il me reste 4 jours, ça diminue là, 4 jours, voilà, et 44 minutes et 1 seconde. Et on voit que là ça mine tout doucement, et donc j'ai rien, là tout en haut dans ma balance, j'en ai 1530 et j'ai 79 centimes. Et là, dans ma semaine, il me reste 4 jours, j'en ai miné presque 200, j'ai 10 centimes. Donc à la fin de ma semaine, je vais pouvoir mettre ce que j'ai gagné dans ma balance. Du coup, ça va s'additionner. Mais du coup, je gagne de l'argent tranquillement parce qu'il est valorisé, celui-là, le PHT. Et si le cours du PHT augmente, et ben, du coup, ce que je gagne là va augmenter. Ici, pareil, on peut inviter des personnes. On peut inviter des personnes. Voilà, donc là je reçois 600 d'un coup parce que c'était marqué... je vais la refaire, c'était marqué ici user earn 2 times, donc là les personnes que j'ai invitées elles ont gagné 2 fois leur bonus, donc là moi j'ai pu claim 600 PHT d'un coup, 3 fois 200 PHT, donc là pareil, donc là du coup là je suis passé à 2136, donc il y a plus de 1$, ça y est j'ai dépassé la barre d'un dollar. Donc PHT, moi je trouve ça assez intéressant parce que du coup il est déjà valorisé, et à la fin je pourrais cliquer sur withdraw là-haut, donc retirer mes gains, et donc je pourrais les retirer. Donc celui-là, assez intéressant. J'ai un petit bonus que j'ai pas pris là, je pense. Ça va être... Alors ça, je m'en sers pas trop. Ça va être... C'est pas ça du tout. Hop, CryptoCard. CryptoCard, mais ça, je m'en sers pas trop. C'est pareil, c'est pour du PHT. Ouh, il y a la musique. C'est pour du PHT. Donc là, pareil, j'ai... voilà, une carte, des vidéos, des pubs et tout. Donc ça, si je clique... Je sais pas, je peux faire wheel. Et du coup, en fonction de la roue, des gains, bah, du coup, je gagne des trucs. Bon, donc moi, je rejoue pas. Voilà, il y a des pubs, il y a des trucs. Mais du coup, cette application, elle peut être intéressante aussi. Je la mettrai en description. On peut gagner des PHT aussi. Moi, celle-là, je la joue pas trop. Je l'ai joué au début, mais là, j'y rejoue pas trop. Du coup, je vais même pas regarder ce que j'avais gagné. Ouais, d'accord, ça a tout fermé. Donc voilà, donc toutes ces applis, je les mets en description. Et voilà, ça c'est un jeu. Bon, voilà. Bon, ça, moi, ça, j'y joue pas trop. Je te mettrai en description si ça intéresse. Et puis voilà, donc s'il y a des questions, tu peux me mettre en description. Tout ça, je mets en description avec les codes parrainage parce que du coup, pour toutes les rejoindre, on est obligé d'avoir un code. Et puis après, n'hésite surtout pas à les partager, tu vois, plus tu les partages, plus du coup tu gagnes de la vitesse de minage, et du coup plus, si jamais elles sont valorisées, bah du coup plus tu en auras dans les poches. Moi je préfère en avoir, si jamais c'est valorisé, plutôt que pas en avoir et devoir en acheter, sachant qu'aujourd'hui bah, ça coûte rien, c'est gratuit, donc c'est toujours intéressant à faire et à essayer. Je te dis à bientôt, n'hésite pas de rejoindre le groupe, Telegram, le groupe Facebook, de t'abonner, voilà, essaye tout ça, à bientôt et bon business. Ciao !